J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mercredi 26 août. Il est 10h45. Hier, vous n'avez pas eu de vlog tout simplement parce que j'ai terminé en migraine. Milieu d'après-midi, j'ai senti la migraine arriver. Et hier soir, j'étais vraiment pas bien. Du genre, j'avais très mal à la tête, j'avais envie de vomir, j'avais des nausées. Envie de vomir, des nausées, c'est la même chose. Des bouffées de chaleur, étourdissement. Enfin, voilà. Bref, j'ai fait. Voilà, j'étais capoute. Donc du coup, j'ai pas pu terminer le vlog. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ça va le faire. En même temps, hier, on n'a rien fait de particulier, mis à part se battre, entre guillemets, je mets des gros guillemets, avec la poste, tout simplement, puisque vous savez qu'on a fait un crédit pour notre nouvelle caravane qu'on est censé bientôt avoir. Et en fait, on a envoyé les papiers vendredi, donc ils étaient censés les recevoir lundi, sauf qu'ils n'avaient toujours rien. Et cette lettre, on l'avait envoyée en suivi, donc on essayait de la suivre sur internet avec Mathieu sur ce qu'on n'arrivait pas. Ça nous disait que le numéro n'était pas bon, qu'ils n'arrivaient pas à nous retrouver, etc. Donc on s'est carrément déplacé à la poste, qui nous ont eux donné un autre numéro parce que eux ne pouvaient pas suivre notre lettre parce qu'ils ne trouvaient aucun historique. Donc ils nous ont donné un autre numéro. L'autre numéro, on a mis trois plombes à appeler parce qu'il fallait dire le code là sur une boîte vocale et ils ne comprenaient pas le machin. Un truc hyper énervant. Au final, on a réussi à avoir quelqu'un qui nous a dit on ne sait pas où est votre lettre. Donc on était ravis. Donc on a dû réimprimer les papiers. Mathieu a dû les reposter pour que cette fois il ne nous la perde pas. J'espère, en tout cas, je croise les doigts. Il a fallu aussi qu'on aille à Action puisqu'on avait acheté un refroidisseur d'air qui a fui au bout d'une journée. Ça goûtait, j'avais une mare d'eau dans la maison, enfin une catastrophe. Donc on l'a ramené. Mathieu n'a pas voulu l'échanger, il s'est carrément fait rembourser parce qu'il m'a dit vu comment ça fuit, pour moi c'est un défaut de fabrication. Donc on s'est fait rembourser. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre hier? On a fait autre chose, mais je me rappelle plus. Je sais plus. Enfin bref, c'est pas grave. Ruben! Sarah, tu veux bien ouvrir à Ruben, s'il te plaît? Enfin bref, je sais plus ce qu'on a fait d'autre. Enfin bref, rien de particulier, donc qu'il n'y ait pas eu de vlog, entre guillemets. C'est pas grave, c'est pas comme si qu'on a fait des choses ultra importantes. Voilà. Aujourd'hui, Mathieu bosse toujours. Ce matin, j'ai levé Roxane de force puisqu'en ce moment, elle a du mal à se lever le matin, on va dire de bonne heure. Donc là, je l'ai réveillée à 10h, parce que d'habitude, à 11h30, elle dort toujours. Et du coup, elle me fait plus la sieste l'après-midi, sauf que comme l'école va reprendre, j'ai peur que ça soit un petit peu galère. Donc du coup, ce matin, je l'ai réveillée à 10h. Bah, elle n'était pas contente, mais c'est pas grave. Voilà. Niveau propreté, hier, Roxane, ça a été une catastrophe. Elle m'a pas du tout fait un seul pipi au pot. Elle m'a fait que des pipis à la culotte. J'étais ultra ravie. Bref, voilà. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu? Il faut que je change les draps à Sarah. Il faut que je fasse le ménage comme d'habitude. Alors après, est-ce qu'on sort, est-ce qu'on sort pas? Je ne sais pas du tout. Tout dépendra de ma tête déjà parce que là, j'ai toujours mal à la tête. Mais c'est possible que je travaille avec. Je peux faire les vlogs, je peux répondre à vos commentaires et tout. Parce que des fois, quand j'ai mal à la tête comme ça, je peux rien faire. Là, je peux faire. Donc tout dépendra. Je ne sais pas du tout ce qu'on va pouvoir faire cet après-midi. Peut-être que ce sera un vlog journée maison. Je sais pas. Hier, je voulais vous tourner aussi la routine cheveux. En fait, j'ai pas pu parce que j'ai eu un problème avec mon chauffe-eau. Je vous ai expliqué sur Insta que je vous. Enfin, mon chauffe-eau, mon cumulus, que je vous remets juste ici. Voilà. Donc, je sais pas trop aujourd'hui comment va se dérouler la journée. Mais c'est pas grave. Hein, on va vivre comme ça un petit peu. Vous verrez bien en même temps que nous, quoi. Voilà. Donc, je vais aller répondre à vos commentaires. J'ai déjà fait mes stories Insta. J'ai déjà mis une photo en ligne aussi. Je vous ai partagé un TikTok que je vous mets juste ici. Voilà, si vous avez envie de voir un petit peu mes folies. Voilà. Et puis, il me reste juste à répondre. Enfin, valider vos commentaires. Répondre à vos commentaires. Et après, je pourrai commencer mon ménage.
Bon les amis, j'ai super bien avancé. J'ai fait tout ce coin là-bas, j'ai changé les draps à Sarah, ils sont déjà presque finis de laver. J'ai fait le couloir et j'ai fait la salle que j'ai changé de place. Voilà, je vais vous montrer ça après. Du coup, il me restera plus que ma cuisine parce que là, c'est le bordel parce que j'ai aussi nettoyé l'aquarium parce que on est parti pendant 3 semaines. Donc franchement, l'aquarium, il était plutôt propre. Enfin, plutôt propre, voilà. D'habitude, on le fait toutes les 2 semaines. Donc, il était temps qu'on le fasse. Vous avez été nombreux à me demander aussi comment on a fait pour nourrir les poissons. Donc, je vais vous le montrer là. En fait, on a un petit appareil automatique qui on met un réglage tous les jours. On met la dose qu'on veut et tous les jours, ça nourrit tout seul pendant qu'on est absent. Donc, ils ont eu à manger tous les jours, mais évidemment, on a eu quelques poissons de mort qui sont restés dans l'aquarium. Donc, ça fait dégueulasse un peu, voilà. Donc, du coup, là, j'ai enlevé toutes les plantes à l'intérieur. Je l'ai vidé là, voilà, et j'ai remis tout ça d'eau propre. J'ai un peu filtré le fond avec une épuisette pour ramasser un max de trucs dégueulasses, voilà. J'ai nettoyé la pompe également, donc du coup là c'est en train de filtrer, donc d'ici cet après-midi il sera déjà beaucoup plus propre que là. Donc je pense que cet après-midi on va aller rechercher quelques petits poissons avec Mathieu, je vais lui demander ça, et des nouvelles déco. Comme ça pendant ce temps-là il filtre tranquille. Donc je vous montre la salle, comment je l'ai changée, et après je préparerai à manger. Comme ça cet après-midi je ferai les douches de tout le monde, la vaisselle, enfin nettoyer la cuisine, les douches, etc. Comme ça quand Mathieu rentrera tout sera nickel. Donc voilà la salle. En fait j'ai juste en gros j'ai interchangé la table et le canapé et l'aquarium, puisque l'aquarium il était par là. Donc j'ai mis l'aquarium là-bas, le petit canapé, la table ici, le gros buffet, franchement j'ai pas eu le courage de le changer de place, donc il est resté ici. J'ai juste tourné un petit peu le meuble télé, et puis bah la télé elle est toujours au même endroit. Donc voilà la salle. Dans ce sens, voilà, j'aime bien aussi, c'est plutôt pas mal, les filles elles sont contentes aussi. Donc voilà, j'ai hâte que l'aquarium soit plus propre que ça, parce que là ça me dérange à l'œil, mais c'est comme ça. Donc voilà ce que j'ai fait ce matin. Là franchement la salle elle est nickel de partout, je suis trop contente. Et j'ai oublié de vous dire que... Oh, je me casse la binette sur le canapé. Roxane est en pyjama aujourd'hui et... elle a fait pipi au pot, elle a enlevé toute seule son pantalon 2 fois. Hein, c'est vraiment chouchou. T'as été au pot ce matin? T'as fait pipi au pot? Là, c'est pousse-toi maman, je vois plus mes dessins animés. Donc je suis super contente parce que pour le coup, c'est la première fois vraiment que je la laisse en pyjama, sans rien en dessous. Et pour le coup, elle a été propre. Donc je suis contente, voilà. C'est la bonne nouvelle du jour. Bon, il est 4h moins le quart, j'ai tout fini avant que le chef arrive, hein, c'est vrai. Ouais. Les douches des filles étaient faites, la mienne aussi, la cuisine était faite, voilà, parfait. Donc du coup, en fait, comme on dit, les grands esprits se rencontrent, puisque j'ai envoyé un message à Mathieu cet après-midi en lui disant, écoute, est-ce que quand tu rentreras, on pourra aller à la jardinerie chercher des décos et des poissons? Et tu m'as répondu? Bah, j'y avais pensé. Voilà, il avait répondu, j'y avais pensé, figure-toi. Mmh. Voilà, donc du coup, bah, pour le coup, je t'embête pas. Bah, pas du tout. Puisque Mathieu avait envie d'y aller. Pas et en plus, on a eu la même idée, parce qu'en fait, on voulait pas aller à la jardinerie à côté de chez nous, parce que niveau déco de poissons... Puis même au niveau poisson, il n'y a pas grand-chose. Donc du coup, on va aller un petit peu plus loin. Mais on a eu la même idée, donc c'est assez rigolo. Donc... parti, faut mettre de l'essence avant, je crois. Avant, ouais, faut remettre un peu d'essence. Un petit peu d'essence, et puis on est parti pour la balade. Il est 16h, donc ça va. You lay there on the kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I've locked you up and tie it down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. I'm running, running for you.
for you every day and night. I'm running, running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet. Eh hey, mon chat, ouais. Peut-être que je vais réussir à trouver mon bonsaï ici. Peut-être. On va regarder. Ouais. Vous ne me voyez pas, mais j'ai un gros smile en dessous. Non, on a déjà regardé avec Mathieu. Dans d'autres magasins, les bonsaï, c'est 40 balles quoi. Moi, je veux pas mettre ce prix dans une fleur. Alors. Ça, c'est joli là-bas. Là. Mais c'en est pas un, mais. Il est beau, oui. Ouh, tu peux voir? Waouh, mais c'est des vrais ça au moins ou c'est des fausses? Non, c'est des fausses, ça ma poule. Elles sont belles, hein? Ouais. Et les petites fleurs là. Ça, c'est des orchidées, ça. Ouais. Ouais, mais c'est des fausses toujours, ça. Mais c'est vrai qu'elles sont belles. En fait, on est que dans les fausses fleurs là. C'est peut-être par là-bas que c'est les plantes grasses par là. Ouais, regarde. À mon avis, c'est par là. Alors. Je veux ça, mon chat. T'as vu ça? C'est beau, hein? Ouais, ouais. T'as le droit de le regarder. Ah ouais, bah celui-là, il doit pas être donné. Hein. 60 euros. C'est horrible. Par contre, il y a des. Ça, c'est pas c'est quoi? Ah c'est... non, c'est toujours des ficus, mais ils ressemblent drôlement. Oui. Moi, je veux un bonsaï. Peut-être là. Cette petite chose là. Regardez, je l'ai trouvé le bonsaï. Regardez-moi le prix que c'est. C'est pas abusé, sérieux. Il n'y en a pas un moins cher. Ah bah celui-là encore pire quoi. Bon bah je me rabats sur ça alors. T'as celui-là si. Ouais, encore pire. Tout va bien. Bon bah on va se rabattre sur ça, je crois. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Il s'en fout, Mathieu. Moi je voulais le gros là, là. Mais bon, c'est pas le même prix. Voilà. Là, il y en a des un peu plus grands, mais ils sont à 30 euros. Mais ceux-là, c'est des petits ficus et ils sont à 10 euros. Donc, je trouve que ça va, c'est pas mal. C'est joli, ça, mon chat, avec un Bouddha et tout, pour la maison. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, on va voir les poissons. Allez. J'ai trouvé la déco de notre aquarium, mon chat. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, ça, non? Bah, celui-là aussi est pas mal, hein? Non, il est trop petit. Ah, d'accord. Bon, alors... Bon, là, c'est un peu trop simple. D'accord. Là aussi, c'est un peu simple, là. Ah bon, bon, on va voir derrière. Il a dit, va voir derrière ce qu'il y a, mon chat. Alors, attention. Qu'est-ce qu'il a vu? Ah, le Titanic. Ouais, non, je suis moins fan. Là non plus, je suis pas fan. Oh, là non plus. Ah, celui-là, j'aime bien, ouais. Ouais, en fait, on aime que les gros aquariums, mon chat. Bon. On a du choix là, les amis, il n'y a pas de mystère. Regardez tout ce qu'il y a en poisson. Trop beau. J'adore. Trop joli, trop joli. On attend un vendeur là avec Mathieu. Il est parti là-bas. On attend pour pouvoir choisir nos petits poissons. Hein, c'est vrai. Oui, il y a des combattants, mais pas cette fois. Franchement, j'adore l'idée. On peut mettre le masque comme ça, mais pas comme ça, mais pas comme ça, mais pas comme ça. J'adore. Franchement, elle est trop bonne l'idée, non? J'adore. Bon, on a trouvé nos petits poissons. On est parti. Sarah, mon petit ficus. Tu veux la main? Je te donne la main. C'est parti, on y va. Bah voilà. Jardini. Oh, jardinini. De moi. Non, je me permettrai pas, tu me connais. Jardinerie. Ouais, on disait avec Mathieu que ça avait rien à voir avec la jardinerie de chez nous ou l'amabilité, on pourrait leur donner 2 sur 10. Là ici, ils nous donnent les renseignements qu'on a besoin, ils sont pas dans l'agressivité, enfin voilà. Franchement, top, plus, je pense qu'on reviendra là. Quoi. En plus, ils sont compétents. Quoi. Oui, ils savent ce qu'ils disent. Ils savent ce qu'ils disent, ils disent pas. Attendez, je vais m'enseigner, puis ils reviennent, puis ils disent n'importe quoi. Oui, non, c'est clair. Là, franchement, on est très content des réponses qu'on a eues, etc. Donc voilà, on va rentrer à la maison, on va mettre les petits poissons à tremper, parce qu'il ne faut pas les... Non, faut pas les mettre tout de suite dans l'eau, mais ça, on a l'habitude. Il faut les laisser s'approprier l'eau, et voilà. Je sais plus ce qu'on veut. Ah oui, Sarah veut qu'on y remette sa cabane là, donc on y fera peut-être ça pendant ce temps-là. Non. Ouais. Je sais pas. À voir. Je suis en train juste de l'armature, je sais où elle est, mais alors la toile. Bah elle est dedans, non?
je pense que la toile elle est dans un sac à part. Mais comme j'ai tout rangé avant de partir en vacances. Oh bah si on la trouve pas, c'est pas grave, on le mettra plus tard ce week-end. Un truc comme ça quoi. J'irai aller regarder hein, mais. Ouais, on ira voir. Et j'ai récupéré mon petit ficus. Moi j'ai pas eu mon bonsaï, mais bon, j'ai eu un ficus quoi. Ouais. Allez, on rentre à la maison. Bon les amis, on est bien rentrés à la maison. Les filles m'ont déjà mis un bazar pas possible dans la salle alors que je viens de la faire. Je suis ravie, j'ai plus qu'à recommencer. On est rentré, Mathieu il a été vite fait faire des petites courses parce que on avait envie de manger des steaks hachés avec du camembert et des frites. Voilà, donc du coup il est parti chercher deux camemberts et des steaks hachés puisqu'en fait on a goûté ça au camping, le camembert fondu là dans le four au barbecue là, c'était trop bon, du coup on va manger ça. On a mis nos petits poissons dans l'aquarium qui est quand même beaucoup plus propre. Donc on a acheté ce petit Bouddha là en déco et cette espèce de petit bonsaï là. Et puis là on a 2-3 poissons qui se baladent, ils sont tous vers le fond là-bas là. Donc ça c'est fait, j'ai mis mon petit ficus ici. Il a trouvé sa petite place. Voilà, donc je me suis renseignée de comment ça s'entretient, etc. Donc rien de bien compliqué, mais j'aime bien savoir comment ça s'entretient quand j'ai une plante, voilà, tout simplement. Roxane m'a fait trop rire en rentrant à la maison, puisque en fait, quand on part, on lui met une couche, malgré tout. Même si je suis presque sûre qu'elle ferait pas, mais je préfère lui mettre une couche. Et en fait, quand on est arrivé à la maison, elle a enlevé son short et elle s'est assise sur le pot, sauf qu'elle avait la couche. Donc je lui dis, mais Roxane, t'as la couche, ça sert à rien. Donc elle a râlé, mais le geste était là, donc je suis super contente et super fière d'elle. Donc du coup là, je lui ai retiré la couche, elle est en short. Mais je pense qu'on est quand même sur une bonne voie, donc alléluia, j'ai envie de dire. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Regardez-moi. Miss Bêtise. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, il va t'étrangler. C'est pas comme ça qu'on met un collier. Qu'est-ce que tu fais? Ah, regarde. Comme ça? Waouh! Ça te plaît là? T'es jolie? Oui, je suis jolie. Oh oui, je suis jolie. Bon, du coup, on va commencer à préparer à manger parce que il est déjà 7h20, donc on va préparer à manger. Ça aurait été une journée bien remplie aujourd'hui, mais j'ai les boissons qui se battent. Tout va bien. Ça aurait été une journée bien remplie, mais je suis contente de moi. Voilà. D'ailleurs, il faut que j'aille mettre le linge à sécher. C'est parti. Bon, les amis, on a mangé nos frites avec notre hamburger. Non. N'importe quoi. Notre camembert. C'est quoi ce cheveu là? C'est pour vous, frite hamburger. Oh là là, on mange rien grand en ce moment. Bah toi, parce que moi je serais pas là, donc je mangerai pas grave. Je mange charcute moi en ce moment, donc. Bah c'est pas mieux hein. C'est too light. Je vois pas de quoi tu parles. Quelle heure il est? Il est 9h30, donc là les filles regardent un dernier petit dessin animé. Et après, arrête, tu vas l'abîmer. Mais non, regarde, ça change de couleur. Non mais il est pire qu'un gosse. Vois, mais non, ça change tout seul de mais couleur. Non, regarde, hein. Ça change de couleur quand je fais ça. N'importe quoi. Donc il est 9h30, on laisse les filles regarder un dernier dessin animé et après elles iront au dodo. Pendant ce temps-là, il faut que j'aille me démaquiller, faire toute ma routine visage, etc. que je vais vous filmer aussi en vidéo prochainement. Et Mathieu, lui, s'est proposé pour monter le vlog parce qu'aujourd'hui j'ai bien bossé. Donc du coup il m'a dit si tu veux je monte le vlog. Donc du coup je me suis pas fait prier quoi. Bah moi je peux bien faire ça hein, quand même. Donc voilà. C'est bon, t'es prêt? Oui. En plus t'en as là et t'en as sur mon téléphone. Ça tu m'as pas dit avant quand même. Non c'est pas grave. Allez au boulot. Pyjama is back. Oh, cet accent anglais. C'est pas mal. Bon les amis, je crois que c'est une bonne soirée pour nous puisque on a mis notre petite caravane en vente et 10 minutes après on avait 4 demandes dont une qui est au-dessus du prix qu'on a demandé. Je suis choquée les amis. Moi jamais je vais dire à quelqu'un je l'achète plus cher que ce que vous l'avez mis. Mais bon le gars en gros il fait ça parce que parce qu'il veut la réserver, parce qu'il est en vacances, ce que je peux comprendre. Mais en fait, je sais pas, mais moi, j'aurais pas mis un prix au-dessus. Enfin,
C'est ma caravane. Je sais qu'il peut l'acheter au prix qu'il a envie de l'acheter. C'est pas ça. J'ai confiance en ma caravane. Elle prend pas l'eau. L'électricité a été refaite. La peinture. Enfin, elle est nickel. Il n'y a pas de problème. Mais je sais pas. Moi, ça me viendrait pas à l'idée. Mais bon. Il y a des gens que ça dérange pas, donc j'ai envie de dire que moi non plus ça me dérange pas, puisque du coup on attend l'argent du crédit, si on pouvait avoir un petit peu d'argent en liquide, ne serait-ce que pour pouvoir les donner au monsieur de notre future caravane pour qu'on puisse la ramener ici, ça serait déjà pas mal. Je pense qu'il serait content le monsieur, puis ça serait preuve de bonne foi, même si on a signé des papiers et tout tralala, ça serait preuve de bonne foi. Mais bon, voilà, c'est très bizarre, franchement. J'ai dit à Mathieu, ça me scie, quoi. Enfin, c'est un truc que moi je ferais pas, mais bon, il y a des gens, voilà, c'est comme ça. Donc j'ai envie de dire tant mieux pour nous. C'est pour ça que tous les jours en ce moment, depuis que je suis rentrée de vacances, je vous mets une photo de moi. Bon, même c'est pas que je suis narcissique, pas du tout, hein. Mais je vous mets une photo de moi avec toujours le smile, toujours le sourire, avec un petit proverbe ou une petite phrase sur la positivité, parce qu'on dit toujours que le positif attire le positif. Et j'ai l'impression que c'est quand même un peu vrai, parce que depuis que je pense positif tous les jours, et ben il y a plein de trucs, plein de choses bonnes qui m'arrivent, hein, qui nous arrivent. Donc je touche du bois là-bas, voilà, et je touche de la peau de singe, voilà. Mais franchement, ouais, je suis trop contente. Voilà. Mis à part ça, j'avais mis Sarah doit déjà dormir, et Roxane au lit, mais Miss Roxane a décidé que voilà. Hein, c'est comme ça que tu fais dodo. Mais moi, ça me fait pas rire, tu sais ça. Lolo. Tu bois un lolo. Comment ça se fait que tu bois un lolo? T'es une coquine là. Tu sais ça. Tu sais que t'es une coquine. Dis. Elle m'énerve quand elle fait ça. Puis Ruben, il fait le fou. Regardez-le. Voilà, depuis tout à l'heure, il fait ça sur moi. Bref. Donc du coup, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je pense qu'il y a pas mal de contenu et des vlogs comme ça, je crois que vous aimez bien. Quand on se balade et quand on a des bonnes nouvelles et qu'on vous montre plein de choses de la maison, je crois que ça fait partie des vlogs que vous préférez, mis à part les hauls, etc. Moi, en tout cas, j'aime bien ce genre de vlog où il y a plein de choses différentes. Vous me voyez dans la maison, vous voyez dehors, vous nous voyez faire des achats, vous nous voyez installer des trucs, vous nous voyez vous annoncer des bonnes nouvelles, enfin voilà. C'est un vlog positif, j'ai envie de dire. Voilà. Donc en tout cas, on n'a toujours pas prévu de live. Hein. Quand est-ce qu'on va le faire ce live? On est mercredi. Ouais, ça serait bien de le caler, ouais. Et on n'a toujours pas fait la vidéo explicative non plus. Ça, on va la tourner ce week-end, je pense. À part s'il faut... Non, on va pas pouvoir... Oh, demain, les amis, va falloir du coup qu'on vide toute la caravane, la petite caravane. Pour que les gens viennent la voir. Enfin, c'est les parents du monsieur qui viennent la voir, parce que c'est un petit jeune. Oui, mais demain, il faut qu'on la vide quand même. Ils viennent samedi, les gens, voir la caravane. Mais ça ne les dérange pas de la voir pleine, entre guillemets. Mais moi, en fait, ça m'embête parce qu'ils ne vont pas voir le réel espace. Ou... Enfin, voilà, c'est pas pareil quand on voit quelque chose de rempli et quelque chose de vide. Voilà, bon, bref, je me suis compris. Donc, du coup, on va avoir plein de taf. Mais où est-ce qu'on va mettre tout ce bazar de la caravane alors qu'on n'a pas l'autre? C'est une bonne question. Bref, du coup, on a la caravane à vider. On a la vidéo explicative à faire. J'ai la routine cheveux à vous tourner. J'ai la routine du soir, des maquillages et tout à vous faire. On a le live à prévoir. Ouh, on a plein de choses à faire, mon petit chat. Truc de fou. Bon, moi, c'est fini. Donc, tu vas aller au dodo. Oui, tu vas aller au dodo. Bon, moi, je vais vous laisser là. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. On est presque, je dis bien, à quelques abonnés près, aux 2000 abonnés. 2000 petits bibous, vous imaginez? Oh, je suis tellement heureuse. Voilà, on fera un live pour les 2000 en plus. Bon, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur Insta et sur mon TikTok. Parce que sur TikTok, on n'est pas beaucoup et sur Insta non plus. Où êtes-vous passé? Voilà, moi je veux savoir où vous êtes. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis
probablement demain, mais c'est pas sûr parce que si on vit toute la caravane, je sais pas comment je vais filmer. Bref, sûrement, je sais pas, on verra. Si vous avez pas de vlog, vous saurez que c'est parce que on a vidé la caravane, mais que j'ai pas trouvé le temps pour filmer en même temps. Je sais pas, on verra demain. En tout cas, je vous fais tout plein de gros bisous. Merci d'être toujours là au rendez-vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Ciao les amis. Tu dis au revoir. Ouais. Il faut envoyer un bisou. Non, avec la main. Ouais, à demain. Comment? Bonne nuit. Bonne nuit.